Ce samedi, le FC Barcelone n'a fait qu'une bouchée de la lanterne rouge Elche sur le score de 4-0. Une victoire facile et logique, mais qui ne passe pas pour une équipe quasiment condamnée à la relégation. Elche, qui ne compte que 13 points en 27 journées, 14 points de retard sur le 17e, a néanmoins porté réclamation, par rapport à ce match, comme le rapporte AS. L'équipe située dans la province d'Alicante conteste l'apparition de Gavi, qui a disputé 68 minutes. Le milieu de terrain, dont l'avenir est incertain en Catalogne à la suite de la non-homologation de sa prolongation, et donc le retour à son ancien contrat, fait ainsi l'objet d'une plainte d'Elche. Ces derniers s'appuient sur l'article 141 de la Fédération Royale Espagnole de Football, qui interdit à un joueur de disputer des matchs au cours d'une saison où sa licence a été annulée. La Liga avait bien confirmé sa licence en août, qui était celle d'un jeune joueur du FC Barcelone, donc même si le comité de la concurrence va se réunir, cette démarche a toutefois peu de chances d'aboutir. Cet été, le FC Barcelone veut se renforcer tout en vendant plusieurs joueurs indésirables. Mais les pensionnaires du Camp Nou ne comptent pas céder en revanche pour trois joueurs. Le FC Barcelone vit des heures agitées. En effet, les pensionnaires du Camp Nou vont affronter le Real Madrid demain en demi-finale retour de la Coupe du Roi. En parallèle, ils doivent gérer les nombreuses répercussions liées à l'affaire Negreira, tout en avançant sur les dossiers Ansu Fati ou encore Gavi. Autant dire que les dirigeants sont très occupés. Malgré tout, ils continuent d'avancer sur le prochain mercato. Ils espèrent notamment convaincre Lionel Messi de revenir, ce qui n'est pas impossible. Pour l'accompagner, Xavi a déjà des idées. Selon Sport, le technicien Blaugrana a fait savoir à sa direction que trois joueurs de son équipe étaient intouchables. Il s'agit de Ronald Araújo, de Pedri et de Frankie de Jong. Invité à s'en aller l'été dernier, le milieu néerlandais était resté malgré les coups bas et les pressions. Son entraîneur veut l'avoir à ses côtés l'an prochain. Pour le reste, les pensionnaires du Camp Nou ne comptent visiblement pas négocier pour des éléments, comme Marc-André Ter Stegen, Balde, Jules Koundé, Rafinha ou encore Robert Lewandowski. Même chose pour Gavi, qui pourrait être libre et disponible gratuitement cet été, si le club ne régularise pas sa situation, et Andrea Christensen et Franck Caissier, qui ont des offres sur la table. Malgré tout, tous ne sont pas assurés de rester. En effet, Sport explique qu'il risque d'y avoir une révolution dans le secteur offensif si certains éléments acceptent de s'en aller. En cas d'offres intéressantes, des titulaires pourraient s'en aller. Les joueurs ayant de gros salaires seraient ceux qui seraient menacés. Le FC Barcelone, qui doit vendre avant d'acheter, compte donc employer la manière forte encore une fois, cet été pour remplir ses caisses.